Bonjour Mme Bouka Sénataire. Oui, bonjour. Comme vous me sentez en face à la vérité, je suis toujours vérité. Je suis toujours la vérité dans la mission de la mission. Je suis toujours vérité. Parce qu'il s'agit de vérité, il va comprendre. Tout le monde qui est en cima, vraiment, il y a l'indépendance de la mission. Bientôt, c'est qu'il y a un mois d'indépendance. Bien sûr, pendant 1960, c'est tout comme en 2022, 62 ans, presque déjà, beaucoup de gens ont tellement de gens qui ont été et comme on dit, selon Yoko Namboka. Bon, tout d'abord, 62e anniversaire, Moutoussa a commis 62 ans. Et ça, âge Moukoua maturité à ma casse, déjà comment préparer. Héritage Nini à Kokoti qui est là, Bananaï, s'il s'agit de l'homme Moutou. Mais bilan, oh, Bissot, toujours ça là par rapport, il y a Tokoki Kosala par rapport, il y a 62 ans. Il y a anniversaire, il y a République démocratique du Congo, dès qu'ils ont se préparé. Ils allaient bilan moko d'éloge, mais mitigé de beaucoup de critiques. Éloge, pourquoi? Parce que nous avons été formés, tous huit, ma père n'a plus soit indépendance, parce qu'il n'a souci moko mounene ou anima qui bango, c'était de construire un État fort. Mais malheureusement, nous avons eu, dès le début, dès le départ, mauvais départ. Et départ, on a eu un salut que aujourd'hui, après 62 ans, je peux les confirmer pour dire que le Congo vit dans de la mauvaise gouvernance. Congo a zali souffrir de la part des dirigeants. Bah, Congolais, j'allais dire. C'est-à-dire, bah, Congolais, eux, ils sont allés dans l'ensemble pendant 62 ans. Classe dirigeante Yamboka et permettre que Mboka écoute dans les droits chemins. Mais nous avons vécu maintenant pendant les trois ans ici parce que Tito Komati a 62 ans, il faut qu'on sépare la responsabilité. Au moins, nous avons aujourd'hui l'assurance que, avec Félix Tshisekedi, pas et assurance au Yazotcha par rapport à l'état normal qui fonctionne. En termes de prévoyance, en termes de planification, en termes de vision d'avenir, nous pouvons espérer que le meilleur va venir. Mais tous les en retard, il y a ma casse à cause de la mauvaise gouvernance. Parce que tant dans le bilan à 62 ans, il faut tous se tromper, t'es que 50 ans, et Simbami n'a pas beaucoup à Batumi Balé, Joseph Kabila n'a Mobutu. 32 plus 18, c'est 50 ans, un demi-siècle. Donc, dans ces 62 ans, au plus tout ça, il y a bilan. Joseph Kabila, Mobutu, a dirigé le Congo pendant tous ces temps-là. Et voilà les conséquences, bah, des gars, bango, sur le plan matériel, sur le plan humain, sur le plan de la richesse, il y a Congo. Comment, pendant les règnes de ces deux personnes, ou bien de ces deux personnalités, Congo est là qui gérait. C'est la catastrophe. Nous avons quitté du banditisme d'État. De la dictature plutôt, au banditisme d'État. Mobutu était dictateur, on pensait qu'après lui, nous allons vivre une bonne démocratie. Malheureusement, l'institution Nabiso, ils allaient être transformés encore en institution de pillage. Nous avons quitté d'une dictature au Essénia Kibiso vers une barbarie, sauvagerie, au Essali Kelelo, Est et à Congo. Balobelango Kapona Bekatombe. Et les morts du Congo ne se comptent plus. Et ça, la ganango soukout actualité était. Vraiment, grosso modo, n'a pas le bilan, il y a 62 ans, il y a anniversaire à l'indépendance, il y a Congo, ils allaient vraiment bilan mitigé. Il faut que les Congolais méditent davantage. Ce que je regrette, c'est que la plupart de ceux qui constituent aujourd'hui classe dirigeante Nabiso, Baza Bato Barizo réfléchir, ce ne sont pas des gens qui viennent avec des solutions. Ce sont pour la plupart bah, opportunistes. Oyo pona bango, l'intérêt individuel passe avec avant l'intérêt général. Ezali Moussala Makasso et Sengeli tout ça là. Félix Tshisekedi c'est un président volontaire. Si nous voulons que le changement soit la plus rapide, na bilan mitigé autour d'un ango ya 62 ans d'indépendance, il faut que les Congolais et une classe politique aux alliés responsables. Et pour ça, il faut voter utile.
Merci beaucoup. Est-ce que mon aïki qui est toujours dans le monde est rebelle, il semblerait que parce que combien d'abord dans le monde Nairobi, bon, et là que singeli toi bah que même bah mouvement rebelle, il faut pas confondre tes bah époque, c'est-à-dire les époques c'est différent. Époque il y a Joseph Kabila, na gestion naie, il y a guerre à l'est du Congo. Ils allaient époque, il y a Félix Tshisekedi. Nakani si même bisopé ba congolais toujours continuer ko analyser réalité topé approche au Félix Tshisekedi azanango il y a guerre à l'est du Congo na ba lunettes il y a passé. C'est-à-dire au moins même bato ba lata ka ba lunettes ils en à un certain moment ce qui fonctionne au yo lata la ki lunettes na yo et sili ba changer ka yango. Alors nous, chez nous, ici en République démocratique du Congo, il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi a son approche pour mettre fin à l'Est, à la guerre où ils allaient qu'on sévire dans l'Est et à la République démocratique du Congo. Comme tu as vu que ce n'est pas une guerre normale, les guerres sont asymétriques, ils ont qu'on joué dans les acteurs ébélés, nationaux comme internationaux. Le président de la République ne peut pas seulement s'arrêter. Il y a quoi encourager les militaires, c'est-à-dire les FARDC, pour traquer les rebelles, pour mettre fin à ce système. Il faut tout là, la source de Makambo. Dans le mingi na ba chaîne tout na les Congolais, il faut attendre ça. Il faut que les Congolais soient à l'esprit que les Congo, les Congolais, sont victimes de complot international. Ce complot qui fait de nous des étrangers chez nous, ce complot où il y a des millions de morts, vamos sur 12 millions, vamos sur 10 millions, c'est un complot international. Mais le président, quand il est venu à Monique Bitumba, il y a une phase. À l'époque de Joseph Kabila, nous avons vu ce que la diplomatie de Kabila a donné. Nous avons vu quel soutien au FARDC a bénéficié Nango. Sur le plan politique et sur le plan diplomatique, tout le monde va m'amandunda la bakufi va mbunza mabe bakufi. Ils avaient les fils patriotiques, bah instinct wana patriotique et zalaki. Bah bunda bakota ti na Rwanda, bah traversa ba frontière. Mais parce qu'ils n'avaient pas le soutien politique, oui ça la kake armée ceux qui baso bunda, il faut aussi une stratégie politique, il faut aussi une diplomatie na ba guerre. Donc là où ils ont les galères c'est du Congo. Tout le monde qui est soldé dans l'échec, il y a des gens qui les autres sont les héros. Mais quand Félix Tshisekedi est venu, tout le monde que Mboka déjà essayé de faire des choses qui sont formées. Il y a des gens qui ont mouvement rebelle, qui ont culture. Même nos frères congolais et belés, ils ont déjà vécu dans la rébellion, ils ont un commerce, ils ont un commerce. Félix Tshisekedi a engagé un dialogue. Tu as vu qu'il y a ça qui va consultation. Il s'est entretenu dans le chef coutumier, dans le territoire. Tout le monde a dit président Vandi, il a passé une semaine, je ne sais pas si c'était deux, à l'est du Congo. Pour s'entretenir dans le groupe nyonso sociopolitique, comme Meka Koyoka, Bango Bazoko proposait Nini et les Kakaya Solo. C'était une démarche pour engager, pour impliquer les Congolais nyonso dans la décision Oya Kozwa. C'était avant l'instauration de l'état de siège. Aujourd'hui, l'état de siège est là. Bisomo Tuebi va résulter les Anango. Bato bazako peut-être ko linga ko lakisango na image ya mabe na ba sabotage ko sala tout ça ba yebi que sur le plan territorial, sur le plan de la conquête, il y a sauvegarde, il y a intégrité territoriale na biso to yebi que ba zone ebele ezaki na maboko ya ba rebelle de lui ezaki récupéré na FARDC. Pardon? Ils ont récupéré na maboko ya FARDC. Ba zone ebele na ba province na biso lokola Ituri na ba province ya Sud Kivu. Comment je peux dire, na ba Bukavu, Goma,
partout on peut partir au Comona que le phare DC baza ko s'imposer d'habitude comme d'habitude comme on met ça dans la bango place union son mouvement rebelle les alli phare DC sokaye à s'imposer car les drapeaux congolais flottent. Vous allez vous souvenir que même ba minembo et bando beta masolo les congolais ba vanda ba yebate que minembo existait était commandé nini ba ote ka ndeni ba ko changa en avion ba ko kenela ngote nazongi na problème eza contexte ya lelo. Tant que le président Félix Tshisekedi a kenda ki na Nairobi, a kenda ki te pona ko négocier na ba rebelle. En tout cas, il faut to bima na kati ya to loba servitude ya ba média oyo zo zwa biso en otage. Félix Tshisekedi, comme tout bon président, a ko ko zala ka ne semote que far de se to boma ka bana biso moko ya mboka. Il y a des groupes armés locaux na ba groupes armés étrangers. C'est-à-dire, oh, Bazali, y'a papa, y'a Bazali, oh, y'a pays, y'a Congolais, Bazali, oh, bah, mona, qu'il faut, bah, simba, na, bango, mandoki. Mais, lorsque le président s'est engagé, état Congolais, na, makambo, Italie, communauté, y'a, bah, état Afrique de l'Est, c'est ce qui a fait que, bah, homologue, na, y'a, lobby, il faut engager un dialogue consultatif. Toujours, il y a toute sa force pour nous remettre fin à l'ICAM. Mais il y a un peu, solo la nabana, c'est le dernier avertissement. La qui sabango qu'il ne faut pas intégrer dans le processus de paix. Je vous invite d'ailleurs, à communiquer Oyo, le chef d'État ou le Sangana et le Basali, à part Kagame. Parce que Kagame est déjà zone agée dans la logique Moussous. Kagame, moi je sais que je ne ferai plus d'analyse là-dessus. Tu as dit que pour na Kagame, c'est son départ qu'on attend. Combat au besoin de nous mener à Oua, lui n'a pas intérêt, il y a beaucoup de temps à vision au Félix Tshisekedi à Yenango. Et vous verrez que sommet Bakendaki va sanctionner Ango, n'a communiqué, ba résolution Nyonso, Moutounyonso, Yokamon Amato Inaye. D'où vient la logique que présent, il y a une négociation? Non, il n'y avait pas de négociation. Il fallait qu'il y ait un bango. Et puis, dans le sommet, on a balobi que pour les groupes nationaux, au Bakoboya, qu'on a un processus de paix. Bako frappé bango comme d'habitude na force moko régionale ou esa coordonné na RDC. Tu veux dire que ma grande force régionale biso tu es bien côté. Nos FARDC font un bon travail. Deuxièmement, ba le bi que pour na ba groupe étranger, ba zonga na ba mboka na bango. Pour nous, esa déjà sangwa malam avoir le soutien des états pour na ba mouvement loko la ba FDLR. Ba tu ba mouvement mususu oyo tu es bien que ce soit des mouvements rwandais. Oh, ils ont un cas de sol congolais. Bas on a bambou, on a bango. Comme Kagame nous prêche que biso tous ont un militaire, tous côté ça bango le sous, tous ont un M23, tous côté ça bango un cas de ya ba institution na biso. As on a FDLR naie, moi je pense que c'est déjà voix mobilisée vers la fin de cette guerre. Et qu'on traîne na ba président au bazar koyo kate mato imango miloko la Kagame qui est maintenant très mal à l'aise. Moi je pense que ceux qui l'élo faire baisser na biso na niveau bazo kende na Kagame toko koma na point pe toko zala na problème na FDLR il faut tozongi sabango na kati ya mboka na bango baki ndo sila na kuna na bitumba na bango tozongi sabango na mboka na bango. Moi je pense qu'il faut, ils doivent rentrer chez eux et c'est le travail ya faire baisser ya ko protéger intégrité territoriale ya mboka na biso. Mais mon mboka dika mboka pourquoi ni mboka Kagame Paul o azoko azoko se ko martelé mingi ke ba FDL ba kota na kati ya ba armé na biso, cela veut dire quoi? Et ça ma comme ça le quoi ya Kabila ou ba kota ka ba rebelle na kati armée frustration armée son en sous son mboka. L'avantage que nous avons biso ba congolais c'est d'avoir Félix Tshisekedi comme président. Ezali beloge, ezali peut-être louange de tous opé sanayé. Félix Tshisekedi, pour la biso bateau tout au monde clair, tu veux dire que c'est une bénédiction pour le Congo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous en a au moins un fils y a pays où a mémé Moutema, a mémé Congo na Moutema, a zo souffrir malgré fossé où y a putaki mboka. Pourquoi? Tovani na Joseph Kabila pendant 18 ans, l'infiltration s'est faite na misu ya ba Congolais, parlement Congolais bandai kaku existé. On prenait des Rwandais, on prenait d'autres nationalités. Parce qu'au coach, on a une institution à Bissau et le Parlement validait ça. Vous avez vu que quelqu'un à Kalaming était en 2013. On parlait des officiers militaires rwandais. Au Bantegra, Parlement et Diman à l'époque à Kabila.
ba koti sabango na kati armée congolaise ba travailler kana armée na biso. Et cela l'opinion publique ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, parce que moni bato soki déjà bazana mon mesano ya mabé, changement yé ba musu ba comprendre nous quitter. Pour musu soit comprendre nous qu'il faut amona violence nda eko sosolaté, il faut na changer. Bango eza déjà coq na bango, basi ba mesana na bango ba créer rébellion dengue kabilando sala basu ba rwandais ba tient na armée. Avec Félix Tshisekedi nous avons l'avantage et l'assurance que ça ne se fera plus. Fierté toza nango eza que le Congo maintenant appartient aux Congolais. Si aujourd'hui Félix Tshisekedi était un homme à battre, si aujourd'hui Félix Tshisekedi azoyo kanate na Kagame, c'est parce que Kagame sent ses intérêts menacés. Ben intérêt ni oyo ezaka na Congo. Vous imaginez que mboka mukele ko la Rwanda ba Congolais ba komo banga ngo. Ngana oka na soni. Quand on a landaka ba vidéo ba audio ba Congolais bazo s'exprimer na crainte vis-à-vis du Rwanda. Au tali carte ceux qui na oyebi Rwanda place ezalaka te. Ba yebi so luka Rwanda eza pembeni ya Congo. O risque mon ngote. So za miop o mona Rwanda na carte te. Mais ce petit pays là qui est le Rwanda azui a commis les colons à Bissau. Les Congolais ont commis les bandes à Rwanda, à Rwanda, à cause des faibles. Les bandes à Bissau ont commis les lokumu pona nini. Gloire à Bangweza, qui ont commis les immeubles à bien, qui ont commis les villas, les poteaux, les France, les Belgique. Ils ont commis 20 femmes, 30 femmes, qui ont commis les bandes. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, Bissau, ils ont commis les colons à genoux, un petit pays comme le Rwanda. Avec Félix Tshisekedi, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de temps à faire. 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 Il avait l'assurance. Il était bien dans son assiette. Mais aujourd'hui, exemple, je vais vous faire facile. Les amis, il y a un mois, deux mois, sans que il y a un peu de temps à faire. Donc Félix Tshisekedi a péché maintenant vraie face. Il y a un peu de toujours, la vengeance est un plat qui se mange froid. Ce qu'on se venge malamo, il faut aucun de malembe, malembe. Pour nous, Congolais, ça ne sert à rien de brûler les étapes. Tout ça qui sont organisés. Pour nous, nous étions dans un non-État. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi redonne la force à notre État. Il joue bien sa diplomatie pour que Congo ait retrouvé place nango. Aujourd'hui, vous voyez Kagame azo se tracassa le but au côté de la Congo. A comme mécanisme sous-souté. Nazo et Bissauka Katang va reprendre l'affrontement. Ao. Bangomoko ba yoki l'okito ya FARDC. Dans 3 ans seulement, FARDC a zongeli ko frappé Bango. Je vous rappelle que militaire n'a bisou nan azui salaire satisfaisanté. Mais pour moi, que nous avons quand même des patriotes. O ba yebi ko défendre Mboka na Bango. Aujourd'hui, vous verrez que le FARDC font un bon travail. Ba récupérer. Na ba village ezali qui na maboko ya M23. M23 lobi ba surprendre biso ba koko attaquer biso boyete. M23 négociation ezali sauté. Ne confondez pas époque ya Kabila na époque ya Tshisekedi. Tshisekedi peut-être bino boye bi malabu te. Il est venu vous déloger boluka kop mususu. Ya tozo senga na bande ko na biso bazana dekiv. Bande ko na biso bazali na Ituri. Bazana province orientale, bazana partout oyo insécurité ezali. Toyebi ke et comme business na bino bo luka kop mususu bo luka kop mususu au lieu de faire un sabotage au lieu de chanter Félix Tshisekedi abomi mboka sans raison valable parce qu'en 3 ans soko tuni mutu mabe ya Tshisekedi ya sali za nini oko ko sala ke aboma mboka yo oyina ye oko ka conserver mboka na hote akoyemisa yote. Voilà ce qui est l'essentiel. Merci beaucoup, Mboka, à tout le monde. Le cas de l'Italie, est très bien que du Congo, tout le monde. Le cas de l'Italie, parlement de la vie, il y a quand même une question à faire en bosso. Il y a une question qui se peindre. Ming, il y a une modification électorale. Il y a un virage et pas de clément pour le Il y a une modification électorale. Tant que vous avez une analyse politique ou analyse du constat de l'Italie, modification électorale pour Mboka. Bon, il y a les bosso, nangina lobaki ba politiciens congolais, batika kosaka na kana ba congolais. Vraiment tolongoli ba gant na ba analyse na biso to bandoza la brute parce que to comprendre que bosso to za mingi na classe politique congolaise. Bazozo ba congolais lokwa ba musique, batu moko bazana tante ya ko se rappeler makambo leka ki lobby. Ça fait 3 fois que nous allons aux élections. Na avant na kota na analyse pona kuma na mutuna na yo. Soki congolais ya solo azali des pères et des mères.
il n'y aura pas élection sans recensement, sans identification des Congolais. Nous avons vécu dans ces pays pendant 18 ans. Ce qui est au 3 ans à Mouzé, 21 ans, près de 22 ans, sans carte d'identité. Aucun politicien congolais a une priorité. Si vous avez un contexte électoral, parce que au Congo, comme il y a une habitude, les élections pour des élections, pour que les Congolais aient des élections. Le quoi, un homme politique déjà habitué que après 5 ans, il y a élection, ce qui n'était pas entré dans l'assiette, c'est que les Congolais doivent accumuler des vaches à travers des processus électoraux oyo ezanango bénéfique pour la nation. Moi j'ai dit non, dans mon analyse je vois déjà manque d'intérêt oyo ba bato bazomi benga ba politicien na makambo etali ordre outil sérieux ya planification pour un développement na mboka. Et ça d'abord dénombrement ba Congolais bazaka combien. Est-ce que l'État congolais a eu à contrôler le mouvement na bango? Comment peut-on avoir un plan sérieux de développement lorsqu'on ne sait même pas le nombre des Congolais? Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous ou bien encore les Kabilistes qui sont dans leurs illusions, vous avez dit que vous prêt. Il y a ça là, vous avez pouvoir des Congolais qui ont une carte d'identité, vous avez accent. Na outil ou na planification, tout ça sérieux. Deuxièmement, je réponds maintenant à votre question. Batou balobi modification à l'électorale, Félix Tshisekedi a l'une souko s'imposer davantage, c'est une tricherie en avance. Tolanda ki biso nyonso communiqué à FCC tant ba bimi na salle pour dire que baza d'accord té na ndenge makambo eza ko kondele par rapport ya modification à l'électorale. Est-ce que c'est ça leur intérêt d'ailleurs? Pour tout le monde qui a communiqué, carburant mati, biloko et mati, et vie sociale et commis passe. Mais les Congolais ont s'adresser à eux. Et les Congolais ont une mémoire ou bien une mémoire courte. Parce que les gens nous amènent d'abord dans le contexte de la loi électorale pour expliquer à nos Congolais la raison valable pour nous faire. Na katia ba institution pour demander un consensus autour ya makambo etali loi électorale. Donc tokei ba élection trois fois kaka na ba consensus mona makambo etali loi électorale. C'est que balingo la kisabiso que culture ya sika na makambo etali politique ya loi électorale na Congo ezali consensus chaque fois que nous devons aller aux élections. Na 2006 consensus, 2011 consensus, 2018 consensus. Consensus wana obiso tozwa et même la congolais nini et même partage à pouvoir et même ba débauchage, c'est-à-dire bazu ba opposant ba kotisi bango na pouvoir. Voilà ce que signifie consensus na mitu ya bacteur politique congolais. Pour na congolais o ayebi bango te a okanisa ke lokwa sikezali mémoire par rapport ya makambo leka a comprendre que za théâtre. La première bataille a été déjà perdue parce que là même l'église catholique a participé à la bataille wana. Tant que baza kopona animateur ya CENI kopona président ya CENI, mais qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Ba déclaration ni tout monde a été. On a même mobilisé des jeunes, tout monde a même plateforme ma yasike botama et sangisa na lamuka na ba kabiliste et sangisi na ba bato il faut ba mi benga benemi mais ba koma ba ami pour dire non à l'élection de Kadima comme président ya CENI. Mais toyebi côté souka. Au finish, aujourd'hui, on ne parle plus de Denis Kadima. Aujourd'hui, on parle maintenant de réformes et de loi électorale. Tout le monde, les politiciens congolais, surtout les kabilistes, l'intérêt n'est pas dans les lois. Oh, bah, on va dire que tu as manqué. L'intérêt, c'est ça, mon souni, Botoli Bango. C'est ça, donc, c'est ça qui est vraiment dans quatre aisance. Aujourd'hui, dans le sens où bah, on va dire qu'on s'est retrouvé, bah, il faut bah, un exercice à pouvoir dans Bango, bah, mais ça, dans Bango. Quand on nous explique, on nous dit que carburé mati, biloko et mati, c'est prendre des Congolais pour des bêtes. Au long de la loi électorale, on nous dit que carburant. C'est que dans le monde, où nous avons vivre, nous sommes tous Congolais. On ne voit pas ce qui se passe à Brazzaville, on ne voit pas ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire, on ne voit pas ce qui se passe dans les pays occidentaux, où l'État est stable, l'économie est stable. Non, soyez quand même humain.
makambo etali modification à loi électorale biso tobi ke loko eza important eza ko mema élection na tour mibale pour permettre que makambo ezale un peu plus clair. Ils allaient beaucoup apporter ma modification mususu mike mike ou est cela que bah bâcler système oyo na na dengue kabila mimi la kimiso mais oyo bango va komi koluka ils allaient de bah mima biso na contexte ya bah négociation politique ou komi ma bah oyo bah zozo bah gente par rapport à politique na bango bah kota et toyebi que pour ceux qui se sont trompés d'époque dengue na lobaki apona bah rebelle les politiciens congolais on les risque monnaie des années. Félix Tshisekedi ayebi politicien congolais nyons. Nous avons maintenant un président qui maîtrise bien les comportements des politiciens congolais. Koza la 37 ans à lutte. Peut-être ba politicien congolais bazoué ba Tshisekedi malamuti. Tshisekedi ayebi qui est flatteur, qui est aventurier. Na politique il représente quoi ayebi ba monnyons. Tshisekedi ayebi salaire et journaliste dans les médias à 2800 et bien très bien était sous à 2800. Mais nazolo banayo soki congolais alingé loko na kanti que congolais akosala ki loko ané salema. Ba journalier na ba congolo ba continue na bango ezama be. Nous avons fait 18 ans avec Joseph Kabila. Toutes les lois de la République toloba à 90% et bandai ko profiter na ba congolais. Ba modification belé ya ba loi et salami na kati ya ba assemblée na biso na kati ya parlement na biso et profiter congolais. Aujourd'hui congolais zoye baté que si les trains de vie des institutions est à l'écolo, c'est à cause du parlement. Si les congolais veulent se prendre en charge, ba lobi le lo parlement boko siéger té qui empêche les congolais de le faire. Mes chers frères congolais, tout peut satisfaire de coulou sous terre à kilo à la place du Mokoto Salamakambo et Talibiso. Le souverain primaire, c'est le peuple. Tshisekedi est une institution, la plus grande institution. Mais sur le plan de la constitution, il y a une limite. Institution parlement, par rapport à Olobiso Tosanango comme constitution, il y a un rôle que nous avons joué. Même si, en termes de bilan, Biso Tosanango est président de la République. Parce que, aux hommes qui va contradiction et allés dans le régime au Bissotopona. Mais si les Congolais lisent bien leur constitution, ils verront que chaque institution a sa responsabilité. Aujourd'hui, je suppose, parce que pour moi le bilan est positif, il y a Tshisekedi, mais je suppose que ceux qui battent ma monique échec et allés, même le Parlement congolais a sa part de responsabilité. C'est que le Parlement congolais est au sala moussala nangote. Nous avons des lois injustes. Où est au sala que Joseph Kabila, Alia Kambongo et Bélé, Yaofele, collègue, même président Waza en exercice, il est sénateur à ville, parlement de la canine pour nous changer. Et les Congolais, quand ils sont chez eux, ils attendent que Tshisekedi a voté à Kabaloate. Tshisekedi n'est pas législateur. Le pouvoir législatif est à l'indé dans le niveau, il y a parlement. C'est au parlement de voter des lois, de faire des propositions des lois qui vont permettre au gouvernement de réagir par rapport aux aspirations du peuple congolais. Mais le Parlement ne le fait pas, les Congolais vont vendre. Voilà pourquoi les Congolais doivent se servir d'expérience aux Congolais, nous sommes mon amour. Comme ça, aux prochaines élections, choisissez des gens nobles. Vous avez même attendu à la jeune, vous avez un bon côté, mais vous avez un quartier, vous avez un tata, vous avez un maman, vous avez un cas sérieux. S'il se présente aux élections, votez-lui. Ne votez pas par rapport à Mbongo, parce qu'aujourd'hui, nous avons le business politique. Le cas de Daniel Safou, c'est bien quand tu as parlé. Mais il y a un autre qui est. Daniel Safou, c'est bon, non, mon Mbongo? Et ça passe. Il y a un autre qui est là, il y a un autre qui est là, il y a un autre qui est là, passe. Je vous dis, bah, comment vous souffrez, mieux vaut pas tout le temps. Pas moyen. Je vous dis, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Pourquoi? Parce que les Congolais, ils ont mis un peu de temps. Autant qu'il s'affoute, autant qu'il... Papa Molière, autant qu'il s'affoute. C'est une déception pour les Congolais. Ah? Oui. Tant qu'il s'affoute, il s'affoute. Il s'affoute à la gâte. Il faut que tu aies un peu de temps, il faut balancer. Les Congolais ont été devenus s'affoute lors des élections. Lors de contentieux, il y a des élections. Tant qu'il s'affoute, il s'affoute à la gâte. Il s'affoute à la nadra, à la brosse, à la tombe, à la brosse, pour qu'il s'affoute à la bunda. Il va donner une barre. Je vous dis, maboko nanga likolo, je ne veux même plus citer des noms à Batumusu parce que Nayebi que Kabila nous a aidé à institutionnaliser la médiocrité. Mobutu a très mal géré le pays, mais il n'y avait pas de médiocre à niveau autocomi. Bato bakotisi médiocrité dans l'institution, ça,
C'est vraiment une invention, une très bonne invention. Il y a politique à Joseph Kabila. Comme lui-même était médiocre, il s'est entouré de médiocres. Il a fait tout fait pour que la politique congolaise devienne un théâtre. Aujourd'hui, cette politique congolaise est confondue dans le théâtre. Parce que le logo est dans la télévision. Lorsque deux politiciens vont débattre, ça ne diffère pas d'un théâtre. Au moins, il a inventé le logo. Il n'a même pas vocation. Mais si on avait un Kabila, Azaki même attend au Mobutu Azaki Nango. Parce que Mobutu était un dictateur. Mais on n'avait jamais vu médiocrité comme Atina à niveau. Il prenait des voleurs, mais ces voleurs-là, bah, ça a quand même dans le sens qui va présenter que les politiciens, les députés, ou Monique vraiment, même si on peut parler, tout le monde est moyibi, mais ceux qui, même dans le monde entier, les talibans, politiciens congolais, on peut nous respecter. Non, ça, ce n'est pas digne. Je vous dis, je suis en train de faire un peu de temps, je suis en train congolais. Ba toi circonscription électorale wana ya safuka kate na ba député mususu na kanti ba congolais ba ngomba réfléchir bazonga bato pona kotala na circonscription électorale na bino vraiment toza ba lettré ba jeune peu basé belé na circonscription wana bozi ba voir na bino bo pesi mutu moko boye mais botali musalo asala kana parlement boye debiso ko la ki sa congolais député asala kanini. Merci beaucoup mon boka. Merci beaucoup, mon amour, sénateur. Je suis un homme qui a été un soutien de Kamotali. Je suis un homme qui a été 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 un homme plaque tournante il y a gouvernement ezali premier ministre yé mutaza plaque tournante il y a exécutif yango akenda ki po ameka komema processus yana ya paix parce que biso to mona na biso te kasaya bundana na katangé ce sont des choses qui sont sorties uniquement dans les médias mais to tikalo komona te place katangé na kasaya ba betani makofi balaksi biso ke o kasaya o katangé voilà les place makambi bandeli mais comme ce sont des gens qui inventent des choses pour nous faire avaler, pour créer frustration, il y a un premier ministre qui résoudre un problème qui n'existe que dans les médias. Parce que les Kassaïens qui vivent au Katanga, jusqu'à ce niveau, mon côté a menacé. Mais il y a des gens qui inventent des histoires dans les médias pour nous imposer un imaginaire collectif pour leurs intérêts. Il y a un autre banayote. Est-ce que vous avez une vidéo où ils ont clair, ils ont mis les lots? Manipulation. Non, non. Chef de l'État, c'est chef de l'État, c'est président de la République. Dans le lobby, pas parce qu'il y a un mouloba. À propos de tenir à madame. Ne cédons pas à la manipulation. Je rentre seulement dans le cadre et le contexte. Pour la manipulation, les alliés. Bato bazako tcha, babiloko, ba vidéo, ba nini. Moi, je suis tout ni kaka. Est-ce que tout le monde a une vidéo qui place où il y a un s'affronter na bakatangé? Faux. Mais ce sont des politiciens, une politicienne. Nani, moi, na ya sectionniste, mon nom. Na kozonga na biloko na tete lobela ki ya mingi. Ce débat-là existe, surtout plus dans les consciences, dans les cerveaux, ya bato baza ko inventer ango. Pour les Congolais qui vivent paisiblement, qui ont besoin de la paix et du pain, je pense que bayibi ou ezan pa pona bango priorité. Bon, makambo etali sa malukonde. Samalukonde devait nous énerver de plus. Samalukonde, il travaille pour Fatim ou bien pour Katumbi ou bien pour l'opposition. Bah, journaliste basé Bélé. Il y a RTLC, il y a Kokomema. Bah, journaliste Moussou Bazali, il va défendre la vision à chef de l'État. Bah, journaliste, il va vulgariser l'action à chef de l'État. Pierrot Louara, on le connaît très bien. C'est un communicateur, journaliste, il fait ses communications. C'est un opposant de Félix Tshisekedi. Parce que pour lui, Félix Tshisekedi ne fait rien de bon. Il ne fait pas. Mais Samalukonde prend Pierrot Louara. Il va foutre les billets avion. Hein? Il y a classe, il y a bien. À Zui, à voyager, à Kéba, à Kéba, à Katanga. À l'Alipé, à l'hôtel, à bien. Il y a Malili, à Mbongo. À Vandi. Et puis, lorsque le meeting veut commencer, on voit Pierrot Louara aller pour envoyer au Yoka Samalukonde. Les militants de l'UDPS ont raison de se révolter. Mais c'est pire de voir ça, Moussa n'est sur un bête. Non, non, Moussa là, Yanani. Nous avons la RTNC, écoutez. Presse Oyo, presse Oyo, ils approchent l'opposition. Parce qu'on s'est mobilisé, ils ont leurs moyens.
Mais ça Moutou, Nartouni Malam, Olanzo Olandaka, émission, il y a Pierrot Loire. C'est un opposant à Félix Tshisekedi. Il est proche d'ensemble, il y a Katouni. Non, non, Linga, il est pèse viva, Fachi Béton. Non, non. Nazo, mais on a un contexte où il est clair. Contexte est clair, il y a même en France, il y a des journalistes de droite et de gauche. Ça dit, les journalistes ont un bazali na penchant côté à droite, bazali. Les journalistes ont un penchant côté à gauche, bazali. Mais, bah détériorité, bah fait. Comme on dit en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires libres. C'est au Congo où on invente des faits. Bah fait, bah invente à côté. Bah fait, il faut les alawana, ils ont sacré qu'on change à côté. Ça, la commentaire n'est pas. Mais problème, tout ça, dans mon azole belo ya Pierrot Loire, c'est quoi? Comment ça, malheureusement, le premier ministre qui travaille pour la vision du chef de l'État peut amener un opposant journaliste, nakatia, y a équipe naie, ou ils ont accompagné. On comprend que ça, malheureusement, des jours les double jeux d'ensemble. C'est-à-dire, Azan a besoin qu'on met ma image à ma bé. En même temps, il travaille avec le chef de l'État. En même temps, il se détruit et puis il détruit ce qu'il fait. Est-ce qu'il y a Yebi Moussalo et Azo Salaté? Le chef de l'État fait beaucoup de choses qui ne sont pas vulgarisées. Le chef de l'État fait des choses où il va se défendre. Il y a des journalistes, il y a des communicateurs qui vulgarisent les actions du chef de l'État. Est-ce que Pierrot Loire a ça là quand même? Mais on prend l'argent, on va foutre lié, on va me mieux. Moi, j'ai dit, en tout cas, sans complaisance, parce que ça partit prité, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin d'un premier ministre qui accompagne la vision du président de la République. Ça, c'est une façon de saboter le président de la République. Moutoua servaka de maître te. Soit à Ozapon ensemble, ou ils en opposition. Parce que ou ensemble, les autres, ça, ils existent dans le monde politique. Vous êtes dans la gouvernance, vous êtes opposant. Ça n'existe presque pas. Si ça, Maloukon devait jouer ce jeu-là, il n'a qu'à démissionner. Asi Mandela Kende. Mais moi, je sais que l'avenir est sombre pour lui. Parce qu'il est jeune. Nous avons un apport où ils ont vraiment la jeunesse. La jeunesse, ils ont dynamisme. Parce que je suis réaliste. Je sens qu'il n'y a pas d'accompagnement dans ce qui est pris comme mesure gouvernementale, suivi à Malunga Ezate. Tout le monde qui est président de la République a passé un discours à la nation, n'a fait en 2021. Ça, Malukonda qui m'a pour aller maintenant faire les suivis, il y a l'action au Balansa qui a opération zéro. Donc, il y a la kaka. Pour ça la pression, ça la supervision, il y a bien, pour ça la coordination, il faut suivi et mon nana. Il faut que le chef de l'État mette la main sur la table. On sent que ma faille au gouvernement va avoir yangoana. Merci beaucoup, Mamboka, sénateur de Tenu Autonomie. Merci, je vous remercie. Au message, je vous lance que tout le tribalisme, jeunesse à la droite, il y a hérité dans le tribalisme. Il faut que nous soyons tous Congolais dans l'unité, dans l'amour. De reconstruire Mboka na biso. Pour ceux qui veulent soutenir campagne Zonga Moto, plus 243 82 349 65 26. Merci beaucoup. Merci.